Bah aujourd'hui, c'est hyper important évidemment de se mobiliser parce qu'on voit qu'il y a un énorme problème de système. Le système alimentaire est sans dessus-dessous, on voit que ce qu'on consomme est impropre à la consommation et pour les générations futures, il faut qu'on se mobilise. Et alors on retrouve ici évidemment essentiellement des jeunes, mais moi, moins jeune et bien d'autres comme moi sont là ici aujourd'hui pour montrer qu'il faut changer et il faut surtout prendre des décisions. Et les décisions, elles doivent être immédiates et elles doivent être prises par les politiques parce que qui les détermine, ces règles, ce sont les politiques. Il faut du courage, il faut changer peut-être du cycle des élections, peut-être donner beaucoup plus la parole aux citoyens, c'est ce qu'on attend de nos politiques aujourd'hui, maintenant, c'est urgent. Alors on parle du Nord, est-ce qu'on pense au Sud aussi ? Alors il faut penser global aujourd'hui, parce que si on parle du Nord, si on arrête de pisser dans sa douche, comme on l'a entendu dans les slogans, c'est une solution. Mais la solution, elle est globale, et les productions de gaz à effet de serre qui ont lieu dans le Sud, ben, elles ont un impact aussi sur le Nord. Donc c'est tous ensemble qu'on doit réagir et qu'on doit manifester. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a plusieurs supporters des SOS Faim qui sont là, puisqu'on a nos activités essentiellement dans le Sud, mais on est là parce que l'action est globale.